avec nous tous. Nous rentrons chez vous ce matin pour dire que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel des armées vous protège. Nous sommes bénis ce matin parce que notre Dieu nous a fait grâce et nous a donné la chance d'être encore en vie. C'est une grande bénédiction. Toute la gloire est à Dieu. Ce matin, mes bien-aimés, nous exaltons le nom de notre Dieu, notre bon Dieu. Au nom de Jésus, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et à vous qui êtes déjà présents pour exalter le nom de Dieu ce matin, je vous dis ce matin que la grâce, la paix, le bonheur, la réussite et le succès vous accompagnent dans le nom de Jésus. Nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 4, verset 1er. 1 Jean 4, verset 1er au verset 2. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. 1 Jean 4, verset 1er et 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous disons merci à Dieu. Et ce matin, la Bible nous invite à développer un sens critique pour pouvoir identifier les vrais des faux, les bons esprits des faux esprits. Voici une exhortation que l'apôtre nous fait, mes bien-aimés. N'ajoutons pas foi à tout esprit. Il y a dans le monde plusieurs de faux esprits, des esprits qui nous font croire qu'ils viennent de Dieu, alors qu'ils sont en train de nous égarer du chemin de la vérité. Mais, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous devons étudier, nous devons tester, nous devons questionner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Beaucoup de faux prophètes qui disent qu'ils viennent de Dieu, alors que ces derniers ne font que satisfaire leurs propres désirs. Comment pouvons-nous reconnaître qu'un esprit vient de Dieu? Donc, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour savoir si un esprit vient de Dieu, si un prophète vient de Dieu. Voilà ce que vous et moi, nous devons savoir. Jésus-Christ, venu en chair,
tout esprit qui reconnaît que Christ est le Fils de Dieu, que Christ est celui par qui nous devons passer pour accéder à Dieu. Cet esprit est de Dieu. C'est pourquoi nous devons examiner tout ce que l'on nous dit. Et pour pouvoir le faire, nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous aider à discerner les bons, les faux, les bons, les mauvais. Mais bien-aimés, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, on nous présente toutes formes de choses. Il y a aujourd'hui beaucoup de distractions, beaucoup de choses pour frapper les regards. C'est pourquoi nous devrions faire très attention pour ne pas nous laisser impressionner, pour ne pas nous laisser manipuler par les faux esprits. Les faux esprits sont toujours là pour nous entraîner. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, il s'élève au milieu de toi un faux prophète ou un sondeur qui t'annonce un signe de Dieu, un prodige. Nous devons faire très attention. Nous devons surveiller parce que des faux esprits peuvent facilement nous induire en erreur. Soyons vigilants, mes bien-aimés. Demandons à Dieu le discernement pour distinguer les faux esprits des bons esprits. Celui qui se laisse facilement manipuler par les faux prophètes, par les faux docteurs, la Bible les qualifie, ou bien la Bible le qualifie de simple. Quelqu'un qui est simple, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui croit à tout ce qu'on lui dit. C'est quelqu'un qui se laisse emporter à tout vent de doctrine. C'est quelqu'un qui agit foi à n'importe qui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Sur les réseaux sociaux, il y a plein de prophètes. Nous agitons foi à des choses que des personnes disent, alors que nous ignorons, nous ne connaissons même pas ces gens. Et facilement, nous devenons des adeptes de ces personnes. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 15, il dit, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Soyons prudents, mes bien-aimés. Soyons des chrétiens éclairés. Soyons des chrétiens prudents. Ne soyons plus des simples. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous dit qu'il fait des miracles. Ce n'est pas parce que des gens donnent l'impression qu'il peut opérer des prodiges que nous pouvons devenir facilement l'adepte de ces gens. Il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont de bons, de vrais manipulateurs. Ils peuvent utiliser toute forme de stratagème, toute forme de manipulation pour nous entraîner dans la voie de la perdition. C'est pourquoi nous devons prier Dieu pour qu'il nous donne le discernement. Jésus-Christ nous exhorte dans Matthieu 7, verset 15 et 16, en nous disant, mes frères et sœurs, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux docteurs, n'ajoutez pas point à tout esprit. Il dit,
gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Parce que ce sont des personnes qui sont là pour satisfaire leur propre ventre. Ils sont cupides. Ils cherchent à vous exploiter. Ils cherchent à devenir des héros sur la vulnérabilité, sur la naïveté des simples, de ceux et celles qui ne questionnent pas. Soyons plutôt comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée avaient des sentiments nobles, comme le dit la parole de Dieu dans Acte 17, verset 11. Écoutez ce que la parole de Dieu dit au sujet des chrétiens de Bérée. Il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voici le comportement de gens avisés. Voici le comportement des gens qui veulent avoir la vie éternelle. Et bien, ces personnes-là s'intéressent à la parole de Dieu pour éprouver les bons esprits, les faux esprits. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut sonder les Écritures. Il faut examiner ce qu'on nous dit pour tester, pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Aujourd'hui, les faux prophètes sont très bons. Ils ont les moyens nécessaires pour nous manipuler, pour nous faire croire que ce qu'ils disent sont vrais. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, si nous n'avons pas la connaissance de Dieu en nous, facilement, nous pouvons nous laisser entraîner par ces grands diseurs. La Bible les appelle des grands diseurs. Ce matin, mes frères et sœurs, comme l'apôtre Paul le dit bien aux chrétiens de Thessalonique, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Vous ne pouvez pas facilement ajouter foi à ce qu'une personne dit sans que vous ayez au moins un minimum de déformation sur ces gens, sur ce qu'ils font. La Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux se retrouveront dans la même fosse. Soyons vigilants, mes bien-aimés. Demandez à Dieu le discernement. Intéressez-vous à la connaissance de Dieu. Intéressez-vous à la parole de Dieu. Demandez à Dieu le discernement pour pouvoir déceler les bons esprits des faux esprits. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 2, verset 1er, il dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà pourquoi nous devons éprouver les faux esprits, parce que tôt ou tard, les faux docteurs, les faux prophètes attireront sur eux une ruine soudaine. Ils seront détruits, ils seront renversés, ils seront rejetés, parce que les faux prophètes ne résisteront plus. La Bible dit, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ces faux prophètes sont des méchants, ce sont des pécheurs. Ils n'obtiendront pas la vie éternelle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les suivre, nous ne pouvons pas continuer
agi une fois à ce qu'ils disent. Soyons des chrétiens avisés. Soyons des chrétiens éclairés. Soyons des chrétiens. Amen. Matures. Pour l'être, il faut s'intéresser à la parole de Dieu. Il faut examiner la parole de Dieu. Comme la Bible dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les faux prophètes sont des méchants. Ils ne résisteront pas au jour du jugement. Il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les faux docteurs sont des moqueurs. Mais c'est quelqu'un. Voilà ce qu'il faut faire, ma bien-aimée, pour pouvoir éprouver, tester, analyser, discerner les faux esprits. Il faut méditer la parole, la loi de Dieu jour et nuit. Il faut retrouver du plaisir dans les commandements de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons examiner, analyser, tester, discerner, éprouver les faux esprits. Soyons vigilants. Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Ces gens peuvent séduire facilement les cœurs des simples. Je vous ai dit ce matin, un simple, la Bible le définit dans Proverbe, dans le livre de Proverbe, la Bible appelle simple, Proverbe 14, verset 15, toute personne qui croit à tout ce qu'on lui dit, sans analyser, sans éprouver, sans questionner, on les appelle des simples. Et dans le livre de Romains 16, verset 18, il dit que les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux pasteurs ne servent point le Seigneur. Ils ne reconnaissent pas Christ, même s'ils n'arrêtent pas d'acclamer le nom de Christ. Ils ne servent pas Christ. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 16, verset 18. Il dit, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Voyez-vous, ces gens-là, ils savent que l'être humain a des besoins. Nous avons le besoin d'être aimés. Nous avons le besoin d'avoir raison. Ils le savent très bien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des paroles douces, des paroles pernicieuses, des paroles qui nous font plaisir pour satisfaire nos besoins d'avoir raison, nos besoins d'être aimés. Eh bien, puisqu'ils le savent, eh bien facilement, ils nous entraînent dans le chemin de la perdition. C'est pourquoi nous devons prier Dieu pour recevoir l'Esprit Saint, pour recevoir la connaissance qui vient de Dieu. Et si nous développons ce qu'on appelle et le discernement, la compréhension pour distinguer les faux prophètes, c'est vrai, parce que nous devons nous questionner. Ce sont des gens cupides, des gens qui veulent satisfaire leur propre ventre. Ils utilisent des paroles douces. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour entraîner les simples, ceux qui croient facilement à ce qu'on leur dit, sans analyse, sans éprouver ce que ces faux prophètes disent. Et leur but, c'est de les entraîner dans la perdition parce qu'en réalité, ils ne servent pas Christ. Mais nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous qui voulons marcher dans la volonté de Dieu, soyons de préférence des chrétiens avisés, des chrétiens éclairés, des chrétiens qui développent le discernement, des chrétiens qui pratiquent la loi de Dieu, des chrétiens qui sont éveillés, des chrétiens matures, comme les enfants de Béré, pour pouvoir examiner ce qu'ils nous disent sont vrais ou faux. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous accorder son Esprit Saint, de nous accorder la foi, de nous donner
un esprit de discernement pour distinguer les vrais du faux. Suivre le Père, si nous demandons cela à Dieu, il va le faire. Prions les uns pour les autres. Prions pour que le Seigneur puisse nous aider à avoir les connaissances nécessaires, la compréhension de sa parole, pour que nous étudions les faux discours qui ne viennent pas de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père céleste, que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Ce matin, Éternel, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur, je te remercie, ô Dieu, de nous avoir donné la chance d'être encore en vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous as permis de passer une agréable nuit à l'ombre de tes ailes. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Ô Éternel, Dieu d'amour, pardonne nos péchés et nos iniquités. Guéris, Seigneur, nos cœurs. Guéris nos pensées, Seigneur Dieu. Donne-nous, ô Dieu, les connaissances nécessaires, l'esprit de vérité. Amen. Conduis-nous dans ta vérité et instruis-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas des faibles, pour que nous ne soyons pas des enfants flottants, emportés à tout moment de nos crimes, Seigneur. Seigneur, fais que nous soyons intéressés, Seigneur, à ta parole, à tes commandements, Seigneur. Donne-nous le discernement, Seigneur, pour que nous soyons à même de distinguer les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes, Seigneur, qui utilisent souvent des paroles douces pour nous entraîner dans la voie de la perdition, Seigneur. Ce matin, ô Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin, Seigneur, de la connaissance de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de l'intelligence, Seigneur Dieu, pour que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, vivre selon ta volonté, pour que nous puissions reconnaître, ô Dieu, Christ, qui est le véritable médiateur capable de nous aider à nous rapprocher de toi, ô Dieu. Seigneur, voici tes servantes, hein, Seigneur Dieu. Oh, tes servantes qui sont toujours là, toujours déterminées, Seigneur, à se rapprocher de toi, Seigneur. Viens les recevoir, ô Dieu. Ne les rejette pas, ne les abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Il y en a, Seigneur, parmi tes bien-aimés qui sont malades. Et il y en a qui portent des bébés, Seigneur Dieu. Il y en a qui souffrent, il y en a qui attendent une réponse. Il y en a, Seigneur Dieu, qui, oh, prochainement, vont, Seigneur, se marier, ô Dieu. Seigneur, je te demande, ô Éternel, de les garder, d'ouvrir des portes, Seigneur, pour chacune de tes servantes, ô Dieu d'amour, Seigneur. Oh, illumine leur intelligence, Seigneur. Accorde-leur la sagesse, Seigneur, les connaissances qui viennent de toi. Toi, ô Dieu d'amour, Seigneur Dieu, nos sœurs ont besoin de discernement. Elles ont besoin, Seigneur, de toutes les connaissances qui viennent de toi. Ô Seigneur, il y a certaines de nos bien-aimées sœurs qui sont persécutées dans leur travail, dans leur famille, Seigneur. Ô Éternel, je sollicite de toi, ô Dieu, une intervention spéciale en faveur de ces bien-aimées, afin qu'elles puissent jouir du bonheur, de la grâce que toi, tu as réservé à tes enfants, Seigneur. Voici nos jeunes filles, Seigneur Dieu. Viens, ô Dieu, accorder la crainte de ton nom afin qu'elles puissent vivre, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Ô Éternel, garantis, Seigneur, à tes servantes, Seigneur, la paix, la joie, la justice, Seigneur, la connaissance de la vérité, Seigneur. Ô Seigneur, et crée en nous, Seigneur, une bonne volonté. Fais ton esprit de bonne volonté les soutienne afin qu'elles puissent s'intéresser davantage à ta parole, Seigneur. Sois avec elles, Dieu d'amour. Seigneur, bénis leur foyer, bénis, Seigneur, leurs enfants, bénis leurs projets, Seigneur Dieu. Ô Éternel, Dieu d'amour, je prie.
présents à toi, Seigneur, devant ta majesté, Seigneur, nos frères, Seigneur Dieu, bénis, Seigneur, qui travaillent pour faire avancer l'évangile de paix, Seigneur. Oh Dieu d'amour, accorde-leur l'Esprit Saint, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, vivre selon ta parole, Seigneur. Conduis-les dans ta vérité, Seigneur Dieu. Permets au Père que l'esprit de bonne volonté les soutienne. Fais en sorte que nos frères soient, Seigneur Dieu, plus déterminés, Seigneur. Accorde à chacun d'eux, Seigneur, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, afin que, Seigneur, qu'ils te servent avec zèle, avec puissance, avec foi, dans la vérité, dans la justice, Seigneur. Accorde, Seigneur, à nos frères, dans la foi, au Dieu d'amour, les armes spirituelles, car c'est ainsi qu'ils pourront distinguer les vrais du faux, les faux prophètes, les faux docteurs, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent éprouver les faux esprits, Seigneur. Ô Éternel, aide pour nos frères dans la foi, Seigneur Dieu, nos jeunes garçons à se dépasser pour qu'ils ne soient pas des simples, pour qu'ils ne se laissent pas emporter, ô Dieu, à tourment de doctrine par les manipulateurs de ce monde, Seigneur Dieu, qu'ils reconnaissent que c'est à travers Jésus, c'est à travers les commandements de Dieu, c'est à travers la justice qu'ils pourront accéder à la vie éternelle. Ô Seigneur, permets, ô Dieu, que nos jeunes gens, nos frères dans la foi, Seigneur Dieu, reconnaissent qu'il y a une promesse qui a été faite par notre Seigneur Jésus-Christ et que nous devons travailler pour recevoir cette promesse, Seigneur, et que nous devons, Seigneur, agir de bonne foi, Seigneur, pour que, Seigneur Dieu, Seigneur, nous puissions, Seigneur, obtenir la récompense qui est réservée à ceux, celles, Seigneur, qui font ta volonté, Seigneur, avec nos dieux d'amour. Bénis cette journée, fais que cette journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction, une journée de sécurité, une journée de grâce, Seigneur, une journée, Seigneur Dieu, de succès pour tes enfants. Ô Seigneur, agis pour nos vieillards, nos veuves, Seigneur Dieu. Ô Éternel, Seigneur, je présente, Seigneur, à toi ce matin, notre pays en Haïti, Seigneur. Ô Dieu, t'aille agir pour Haïti, toi qui tiens les colonnes de la terre, toi qui es capable de dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre, agis ô Dieu pour notre pays, notre cher Haïti, Seigneur. Ô Seigneur, nos frères et sœurs souffrent, Seigneur. Oh, ils parviennent à une étape, Seigneur, tellement difficile, Seigneur. Ô Éternel, Seigneur, viens restaurer ce peuple comme tu as su le faire pour le peuple d'Israël, Seigneur. Bénis nos bien-aimés, nos frères africains et africaines. Ô Seigneur, le monde est bouleversé, Seigneur. Continue, ô Père, à protéger, Seigneur, nos frères et sœurs dans la foi, c'est celle, ô Dieu, et qui ont l'opportunité, Seigneur, d'écouter cette prière, Seigneur, en ce moment, ô Dieu, envoie, Seigneur, sur chacun de nos frères, Seigneur, sur chacune de nos sœurs, Seigneur, la puissance de cet esprit, Seigneur, opère ainsi en leur faveur, ô Seigneur, veille, Seigneur, éliminez, Seigneur Dieu, l'ennemi, Seigneur, qui les poursuit, ô Dieu, quand tu nous as dit dans ta parole, l'ennemi nous pousse pour nous faire tomber. Mais toi, Seigneur, tu viens à notre secours. Tu nous as secourus. Tu nous protèges, Seigneur. Merci pour la sécurité que tu nous donnes. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. Merci pour la puissance de l'évangile. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as choisis pour te servir, ô Dieu, ô Éternel. Veille, Seigneur, illuminer l'intelligence de nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent, Seigneur, discerner les faux prophètes, pour qu'ils n'ajoutent pas foi à n'importe qui, Seigneur, parce que tout simplement, ces personnes utilisent des paroles douces, Seigneur, pour les manipuler, Seigneur Dieu. Et c'est pour
toi, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, d'envoyer sur nos frères et sœurs l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force humaine, pour qu'ils puissent, Seigneur, de comprendre ta parole et les mettre en, et la mettre en pratique, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur Dieu, prendre une distance, Seigneur, par rapport, Seigneur, à ces prophètes, Seigneur Dieu, qui pullulent dans ce monde de perversion, Seigneur, avec nos Dieu d'amour. Merci pour cette journée, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu vas continuer, Seigneur, à faire pour nous garantir, Seigneur Dieu, la vie éternelle. Notre désir, ô Dieu, c'est de travailler pour obtenir, Seigneur, cette promesse que tu nous as faite, Seigneur. Avec nos Dieu d'amour, merci pour cette journée. Fais, ô Dieu, que cette journée soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie. Avec nos Dieu d'amour, je te prie ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, qui règne et qui règnera au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de notre Dieu soit exalté. Bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Il ne suffit pas de le dire avec sa bouche, mais il faut la confesser. Il faut reconnaître que c'est à travers Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu. Ainsi, c'est en mettant en pratique les prescriptions de Jésus-Christ, c'est en mettant en pratique la loi de Dieu que nous reconnaissons que Christ vient de Dieu. Ce n'est pas juste de dire que Christ vient de Dieu. Ce n'est pas en utilisant des paroles douces que nous reconnaissons cela, mais c'est en faisant ce que Christ nous demande de faire, comme il a dit dans sa parole. Il dit, si vous m'aimez, Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur ce matin, je vous exhorte à rechercher la connaissance qui vient de Dieu. Je vous exhorte à ne pas ajouter moi à tout esprit, à toute parole que les gens un peu partout disent. Soyons des chrétiens avisés, soyons des chrétiens éclairés, ne soyons pas des simples. Pour que vous ne soyez pas des simples, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, il faut avoir l'Esprit Saint. C'est pourquoi chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous donner une bonne volonté pour que nous puissions apprendre la parole de Dieu, pour que nous la méditions au jour le jour, jour et nuit. C'est ainsi que nous développions justement la connaissance de Dieu. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu peut nous guider pour pouvoir justement recevoir la récompense que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Élevons nos mains vers le trône de la grâce ce matin pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de notre Dieu qui règnera au siècle des siècles, qui déclare ce matin sur la vie de ta famille, sur ta vie, sur la vie de ton pays, la paix, l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance, que la puissance de Dieu soit avec toi, que la gloire de Dieu remplisse ton âme ce matin, que le Dieu de paix écrase sous tes pieds Satan, qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la joie, qu'il t'accorde le bonheur,
Seigneur soit avec toi. Que le Dieu tout puissant érige une clôture autour de toi. Qu'il te donne le discernement. Qu'il te donne la foi. Qu'il te donne la connaissance. Qu'il te donne l'Esprit Saint pour que tu puisses éprouver les faux esprits, les faux prophètes, pour que tu puisses distinguer les vrais des faux. Car c'est en ayant l'Esprit de Dieu que nous pourrons vraiment distinguer les bons serviteurs. Je vous rappelle ce matin qu'il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, mais nous devons les sonder, nous devons les éprouver pour savoir ce qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que l'Éternel des armées fasse de vous des instruments d'amour, des instruments de paix. Je vous aime beaucoup, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, restez dans la paix, restez dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur.